Yo les potes, tout le monde, c'est Tisma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, les gars, il n'y a pas grand chose à dire malheureusement. De trois points de transfert, ainsi un point sur Moussa Dembélé qui est encore à Lyon, mais qui est prêté à l'Atlético. Et c'est à peu près tout, on verra ce qu'on a à dire et puis voilà. On va commencer directement avec le mercato. D'abord, Mathieu Adéchiglou va sûrement rester à l'OL, ou enfin, en fait, ça va dépendre de Rudy Garcia. Rudy Garcia aime bien Mathieu, Mathieu est bien à Lyon, il veut continuer à Lyon à chaque fois qu'il est en conférence de presse. Il le dit, mais l'avenir de Mathieu Adéchiglou est lié à celle de Rudy Garcia. Si Rudy Garcia prolonge, Mathieu Adéchiglou pourrait rester, alors que s'il part, on verra, ce sera un doute à ce sujet-là. Et voilà du côté de Mathieu Adéchiglou. Ensuite, la deuxième, c'est Memphis Depay, encore lui, jusqu'à l'été, on en entendra parler. Il a ouvert la porte à une prolongation dans une interview. Il dit qu'il se sent très bien à Lyon, qu'il pourrait rester, bon, il dit pas qu'il pourrait rester mot pour mot, mais rien n'est encore fait jusqu'à qu'il le décide. Et puis voilà pour Memphis Depay. Et la dernière info mercato, ça concerne Oussem Aouar et un Brésilien. Si Oussem Aouar devrait aller à la Juventus, il faudra 60 millions d'euros pour l'Olympique Lyonnais, mais la Juventus en ces temps de coronavirus ne peut pas payer 60 millions d'euros. Du coup, ils ont réfléchi et ils pourraient pourquoi pas faire un échange Oussem Aouar Douglas Costa. Douglas Costa, c'est le Brésilien de 30 ans qui est prêté au Bayern Munich cette saison, qui va revenir à la Juve pour la saison d'après. S'il part à l'OL, ce serait bien parce que c'est quand même, hein, il est très très bon techniquement, il est très fort dans le domaine de la dribble et tout. C'est un bon joueur, il commence un peu à avoir il commence à vieillir quoi, il a 30 ans, mais pourquoi pas qu'il vienne à Lyon. Franchement, ce serait bien, un Brésilien de plus à Lyon, Juninho serait content, mais je pense que l'OL va vouloir les 60 millions d'euros, ça va leur faire du bien. Et voilà pour ce côté-là. Alors, il y a deux trois petites choses à dire. D'abord, Rudy Garcia toujours dans le flou pour sa prolongation. On ne sait pas, en fait, ça va dépendre tout simplement s'il fait un podium ou alors la quatrième place, ce sera foutu, ça c'est sûr. S'il fait un podium, s'il va en Ligue des Champions, s'il gagne le titre, ce serait bien, mais le problème, ce serait qu'il reste. Sachant que son coaching n'est vraiment pas ouf en ce moment, et il ne sait pas coacher en fait. Soit il fait trois changements à la mi-temps, soit il n'en fait pas, il les fait à la 60e minute, et les remplaçants qui rentrent sont super bons. Pourquoi il ne les fait pas rentrer 15 minutes plus tôt, putain? Franchement, ce serait bien qu'il réalise un peu, qui change aussi son 4-3-3 en d'autres trucs, tel qu'il y a des losanges, on en parle souvent, ce serait bien, et même dans d'autres trucs, une défense à 3 ou à 5, c'est pourquoi pas envisageable, et une défense à 4 aussi, mais dans d'autres schémas, 4-3-3, 2-6-1-8 ou 1-8-2-6, et attends, 2-6-1-8 ou 1-6-2-8, et voilà pour ce côté-là, et c'est tout ce que j'ai à dire, mais la dernière chose, c'est que l'OL a repris sa revanche contre le PSG. L'OL féminin jouait les quarts de finale de la Ligue des Champions féminine. On a gagné 1-0 contre le PSG d'après un penalty de Wendy Renard. Le match retour se joue la semaine prochaine sur RMC Sport 1. Je crois que c'est mardi ou mercredi. Je crois que c'est mercredi à 18h30 sur RMC Sport 1. RMC Story, je veux dire, sur la 23, il est en clair. Il est aussi sur RMC Sport 1 en parallèle et sur BFM TV Lyon aussi. Et voilà pour la vidéo les gars, j'espère que vous l'avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ciao, ciao.